Ok. Non, mais pas. Hop. Bonjour à tous. Ça arrive, hein. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode des Grappes par un live. On va attendre un petit peu que du monde se connecte pour assister au début de la vidéo. Salut, salut. Bon, il commence à y avoir un petit peu de monde. Parfait. Donc, du coup, comme vous avez pu le voir, donc aujourd'hui, donc on va parler du domaine de Shibaou. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est Pierre Clément qui est le responsable commercial qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes pour nous parler et nous présenter son domaine. Alors, on part à Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Pourquoi on a fait ce choix? C'est tout simplement parce que le domaine de Shibaou est un domaine qui a récemment choisi d'installer un chez au domaine et du coup de vraiment imposer son style dans les vins et dans l'étiquette, dans le packaging. Donc du coup, ça donne des vins vraiment très sympa avec donc tout le côté bio, vegan, nature et des étiquettes voilà qui sont hors de tout code de Bordeaux. Donc voilà pour rappel vous pourrez du coup retrouver tous les vins du domaine sur lesgras.com et vous pourrez bien sûr les acheter, les déguster à la maison. Et vous pouvez du coup aussi interagir en bas de la vidéo et poser vos petites questions si jamais voilà il y a des points qui vous paraissent flous. Et voilà, tout simplement. Je vais donc inviter de ce pas le tac Pierre Clément qui devrait nous rejoindre. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Je ne sais pas si Pierre Clément, tu m'entends. Si tu peux cliquer sur le lien pour nous rejoindre. Est-ce que ça marche ou pas? Non. Alors, désolé, deux petites secondes. Il va nous rejoindre. Les aléas du direct. Je vais demander à mon backstage de contacter Pierre Clément qui apparemment ne reçoit pas d'invitation. Hop, hop, hop. Ok. Ne peut pas participer. Ok. Du coup, je vais appeler Pierre Clément et voir avec lui.
Salut à tous, désolé, du coup j'ai vu avec Pierre Clément qui n'a pas pu nous rejoindre. En fait, petit problème de téléphone, voilà, c'est pas bien grave. Mais du coup, je peux déjà vous parler un petit peu des grappes. Je sais pas si on a pas mal d'abonnés de la communauté. Du coup, donc ce qu'on fait nous chez les grappes, donc en fait on est vraiment à la fois distributeur en vin, donc sur la partie particulière et pro. Donc du coup en fait l'idée c'est de vous permettre d'acheter en direct des vignerons, donc principalement, donc majoritairement des vignerons récoltants. Donc qu'est-ce qu'un vigneron récoltant? Je pense que du coup Pierre Clément nous le racontera, mais du coup c'est un vigneron qui va contrôler tout le procédé de A à Z, donc c'est-à-dire de la récolte du raisin jusqu'à la mise en bouteille, et tout va se faire au domaine. Donc c'est un procédé qui comment dire, qui va jouer sur la qualité du vin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va contrôler vraiment tout le circuit de production du vin. Donc voilà, donc assez qualitatif. Donc voilà, donc chez les grappes, vous avez du coup ben, la livraison qui est offerte à partir de 6 bouteilles. Et donc l'idée, en fait, voilà, c'est vraiment de vous permettre de pouvoir acheter du vin en direct de chez les vignerons, parce que j'imagine que certains vivent à Paris, ou vivent, je sais pas, je dirais dans le Languedoc de là où moi je viens, et n'ont pas forcément les moyens pour aller se déplacer directement au domaine, par exemple dans la Loire, je dis des bêtises, pour aller acheter son vin. Donc voilà, donc du coup les grappes, ça va vraiment vous aider à faire ça, et de pouvoir du coup bah, découvrir pas mal de petites pépites, donc notamment du coup le domaine de Chibaou qui est en Bordeaux, et donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui casse un petit peu les codes. Hop. Voilà Pierre Clément qui vient de nous rejoindre. Merci. Alors, t'es en contre-jour, c'est nickel. Hop. Voilà. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous, désolé. Aucun problème, aucun Je problème. Les aléas du direct, du coup, ça ne marchait pas sur l'ordinateur, c'est ça? Tu as dû te connecter sur ton téléphone? Exactement. Ok, bon, mais nickel. Du coup, j'avais commencé un petit peu la présentation, j'avais parlé un petit peu du domaine. Mais du coup, ce qu'on va pouvoir faire, du J'ai coup, tout donc c'est écouté. toi commencer par te présenter, ce que toi tu fais au domaine. Voilà, je Donc, t'écoute comme en tu l'as deux. dit, Antoine, je m'occupe de la. Bonjour à tous, pardon. Je m'occupe donc de la commercialisation du domaine Chibaou. Donc, on a une commercialisation assez large, riche et intense. On est sur tous les fronts, en France, à l'export, sur la restauration, des grossistes, des réseaux de cavistes, la vente en ligne. Et je crois que j'ai un peu tout passé. Donc moi, j'ai Ouais. rejoint Christophe Rebiou. Christophe Rebiou, c'est le propriétaire du domaine. Donc quatrième génération, c'est ça? Exactement. Il est voilà, c'est la quatrième génération. Il a rejoint ses parents en 2005. Ses parents, grands-parents et son aïeul étaient des viticulteurs. Donc il faut distinguer dans le monde du vin un viticulteur d'un vigneron. Un vigneron est viticulteur et vigneron. Un viticulteur n'est pas forcément vigneron. Oui, bien sûr. Ouais. Un viticulteur, grosso modo, en fait, ils étaient, c'était des agriculteurs de la vigne. Ils produisaient du raisin pour le vendre aux coopératives. Ça, c'était son papa, sa maman, son grand-père. Lui, quand il les a rejoints en 2005, il a dit, c'est super, on va travailler ensemble, mais je veux aller un peu plus loin et je veux aller à l'aboutissement et à la vinification. Donc, c'est ce qu'il a pu faire. Il lui a juste fallu 4 petites années pour casser les contrats avec les coopératives, OK. donc de 2005 à 2009. Et en 2009, il a construit un premier chai, un chai avec des cuves inox et des cuves en béton. Et l'objectif, c'était de produire son propre vin et de l'embouteiller. OK, donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la différenciation aussi avec le vigneron récoltant. Par exemple, du coup, les vins qui étaient avant vendus, c'était des vins de négociants, parce que du coup, ils passaient par une coopérative. Et là, du coup, le fait de faire son vin avec son propre chai, c'est aussi du coup d'avoir la marque récoltant. Exactement, exactement, d'être récoltant, d'être, on va Ok. dire, aux deux bouts de la chaîne, de la production à la commercialisation, et puis aussi Ouais. de décider de la qualité de ses vins. Ouais, exactement. Très important. Bon, du coup, tu nous parles un petit peu de l'emplacement, les trois différents domaines que vous avez aujourd'hui chez Chibaou. Donc, le vignoble familial, c'était 35 hectares.
que Christophe a agrémenté de 35 hectares supplémentaires. Donc maintenant, à l'heure actuelle, on est sur un vignoble en production à 70 hectares, à peu près, avec un grand nombre de cépages. Il a un gros fait marquant, c'est qu'il a lancé la commercialisation, la conversion en bio en 2009. Et il faut Ok. savoir qu'en 2009, là où on se trouve, donc on est dans l'Entre-deux-Mers, à Bordeaux, Et c'est pas commun. proche de Langon. Comment? Donc je dis c'est pas commun du coup le bio en 2009 vers là-bas c'est pas très commun. C'était un peu un ovni. Effectivement, il était un peu regardé de travers par certains. Ouais. Et puis par d'autres, ben, ils acceptaient la modernité. Lui, son ambition, c'était vraiment de, sachant qu'il allait vivre au bord des vignes avec sa famille, ses deux filles et sa femme, pour lui, c'était naturel de rentrer dans un environnement le plus sain possible et de vivre à côté de cet environnement. Ok. Donc, il lance la conversion en 2009. Et en 2011, donc 3 ans après, les 35 hectares familiaux sont convertis en bio. Ok. Et suite à ça, sur les 10 années qui ont suivi, il a acquis 35 hectares supplémentaires petit à petit, qu'il a soit ils étaient déjà bio, mais c'était rare, soit il les a convertis lui-même. Donc à l'heure actuelle, on a un vignoble à 95% certifié bio, 5% qui terminent leur conversion sur les 2 prochaines années. Ok, parce que du coup, on rappelle que pour la conversion en bio, c'est 4 ans, 3 millésimes, c'est ça? C'est 3 ans et à la 4e année, on est certifié. Ok. Et à partir de la 2e année, on peut déjà communiquer sur la conversion. Donc on appelle les C1, C2, C3. Ok. Conversion 1, conversion 2, conversion 3. D'accord. Et toi, du coup, donc toi, tu as rejoint le domaine quand? Moi, ça fait 1 an et demi. Ok. On s'est rencontrés donc en plein Covid avec Christophe. Moi, je suis bordelais d'origine. Je sais pas qu'il pouvait y avoir des extraterrestres comme ça. Ah, mais tiens. Parce que Bordeaux, tout le monde sait en parler. Coupe. Courtier et autres. C'est vrai qu'à Bordeaux, on ne regarde pas trop comment ça se passe d'un point de vue Ouais. production. Ce qui intéresse, c'est la commercialisation. Or, il faut se dire que Bordeaux, c'est un des plus grands vignobles de France. Et dans ce vignoble, il y a des changements de lumière. Et dans ce grand vignoble, et bien, il y a de tout. Il y a des gros acteurs, des petits acteurs. Bah, nous, de par la superficie, on peut se considérer comme moyen acteur. Et, mais effectivement, voilà, il y a un. On va dire des philosophies où il faut vieillir les vins coûte que coûte. Nous, enfin Christophe, c'était pas du tout son ambition. Christophe, il a eu une OK. expérience aux États-Unis. Il a Ouais. vu qu'aux États-Unis, les vins, c'était beaucoup les monocépages. Et du Ouais. coup, il est parti sur cette orientation-là pour sa production. Et donc, OK. son objectif, c'est de créer des vins faciles dans leur jeunesse et sur le fruit. OK. D'accord. Et venir un petit peu casser les codes, je spoil un peu, mais moi Alors, voilà, ben, un peu casser les codes, les c'est étiquettes pour en. que fait Christophe du coup voilà avec enfin, je sais pas, déjà en fait la forme, ne serait-ce que la forme de la bouteille, donc on est sur des formats de bouteilles bourguignonnes et non pas bordelaises. Donc les bordelaises, hop, je dois en avoir juste derrière moi, qui sont voilà, normalement comme ceci. Et du coup voilà, déjà rien que ça en fait, on vient casser un petit peu les codes. Et notamment ce petit blanc en 100% Sauvignon, donc voilà, monocépage et des étiquettes qui cassent un peu les codes, quoi, comme on dit. Bah, elle casse totalement les codes, comme tu dis, Antoine. Également. Donc, il a pris l'optique de faire de prendre des bouteilles bourguignonnes, alors qu'à Bordeaux, on a la Ouais. bouteille très classique, la bordelaise, et puis d'avoir des étiquettes modernes. Alors, au départ, quand il a démarré la bouteille, c'était sous l'entité, enfin, c'est l'entité Château Grenet.
Parce que Château Grenet, c'était la marque commerciale que ses parents auraient pu exploiter s'ils avaient voulu produire leur vin. Mais ils ne le faisaient pas puisque ça partait à la coopérative. Et lui, en clin d'œil à ses parents et à son grand-père, il a démarré la gamme de vins bouteille avec l'entité Château Grenet. Donc ça restait un peu classique. On sort un peu de l'étiquette, le visuel avec le vignoble, le portail et les chiens qui protègent la propriété. Ouais, bien sûr. Ok, ouais, je vois tout à fait. Et du coup, cette volonté de bio, nature, tout ça, c'est, tu vois, tu peux un petit peu l'engagement environnemental qu'a pris du coup le domaine, ben, donc comme tu disais en 2009. Pourquoi, du coup, c'était quoi la, pourquoi le bio, pourquoi le minimum d'intrants, des choses comme ça? Lui avait déjà cette notion de vraiment se calfeutrer dans sa cabine de tracteur au maximum pour Est-ce que tu m'entends? Je crois qu'on t'entend pas très bien. T'as pas des petits soucis de connexion? Ça bug un peu. Ouais, je sais pas si tu as des petits problèmes de réseau. Je sais pas où tu es exactement à ce moment même. Je sais pas. Petit problème de réseau, je pense, chez Pierre Clément, qui peut-être est. Bon, ben, du coup, je vais pas parler un petit peu du bio. J'anticipe un petit peu. Je sais pas si on entend Pierre Clément. Ah, mais du coup, il est parti. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu les notions de tout ce qui est bio, notamment vegan. Vegan qui, du coup, sont des vins où on va vraiment utiliser. Mais aucun intrant animal, notamment on parle surtout sur le niveau du collage, donc coller le vin, c'est-à-dire qu'en fait quand on a des espèces, donc dans le contenant dans lequel on va vinifier son vin, on a des fois souvent des petites particules qui sont présentes, et donc du coup vraiment pour venir faire en sorte que le vin soit le plus clair possible, on va parfois mettre du coup du blanc d'œuf dans la cuve qui va permettre en fait en tombant d'attirer toutes les fines particules, donc les petites peaux mortes qui va rester pour rendre le vin le plus translucide possible. Et donc du coup bah, forcément du blanc d'œuf on va pas forcément l'utiliser, et après ça va aussi du coup jusque dans la vigne où donc du coup on va pas forcément utiliser de chevaux pour aller travailler le sol ou faire tout autre type de choses avec des animaux. Après, du coup, on a donc les vins nature. Donc, il y a le taux de sulfite. Alors, les sulfites, ça fait mal à la tête. C'est ce que tout le monde va dire, ou tout ce que tout le monde pense. Mais du coup, donc, les taux de sulfite, ça va être vraiment ce qui va décider si vraiment le vin est nature ou pas. Donc, du coup, c'est des milligrammes par litre, on va parler. Donc, par exemple, pour proche de la biodynamie, donc un vin nature va être un vin qui a sur les rouges moins de 30 mg par litre de soufre. Voilà, parce qu'après, il y a aussi les vins sans soufre ajouté où il n'y a vraiment aucun soufre, des sulfites, donc des conservateurs pour éviter que le vin parte un petit peu dans tous les sens. Mais du coup, donc c'est là où vraiment la différence va se faire. Hop, je vais essayer de réinviter Pierre Clément. Et voilà, et donc du coup, c'est toute la différence avec les vins nature. Donc du coup, surtout, vu qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément de label, alors il y a un tout nouveau label qui va arriver. Si je ne m'abuse, c'est le vin, un label sur les vins naturels. Mais sinon, de base, aujourd'hui, il n'y a pas de label. Donc du coup, en fait, c'est tout simplement, hop, pas de label. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est se renseigner sur le vigneron. Et donc, du coup, c'est tout là l'intérêt de peut-être passer par les grappes qui, justement, vous donnent en fait une accessibilité à
toutes les informations sur le domaine et notamment de savoir un petit peu si on souffre ou pas et à quel type de dosage via du coup tous ces labels. Pierre Clément, du coup, je te retrouve. Tu avais disparu Ouais, désolé. le réseau? Désolé. Ouais, j'ai enlevé le Wi-Fi et du coup, je suis en 4G. En 4G. Donc, Ben, on apparemment, la attend 4G, ça va le mieux 4G. que le Wi-Fi. Du coup, j'ai fait un petit aparté. Donc, du coup, moi, j'expliquais un petit peu, tu vois, tout ce qui était vin bio, vegan, nature. Du coup, tu vois, pas besoin forcément que que tu développes ça. Mais juste, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur la volonté du domaine, justement, de se convertir en bio et pourquoi, en fait, cette démarche-là? Pourquoi Christophe, il est arrivé et il a dit, OK. Quatrième génération, maintenant on arrête, on part sur du bio, minimum d'intrants possible. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Voilà, c'est ce que je disais quand ça a coupé, c'est que son père déjà en tant que viticulteur avait cette notion-là et Ouais. il essayait de faire attention sur la diffusion des produits et sur le choix des produits qu'on leur imposait à l'époque parce que les coopératives demandaient du rendement Ouais. et donc ils étaient imposés. Et lui, son papa, c'est le maire de la commune pour le coup, Ah, donc classique. voilà. Il avait une vision un petit peu plus avancée et du coup, il faisait très attention aux différents produits. Et lorsque Christophe l'a rejoint, pour lui, c'était naturel en fait de démarrer la production de son vin en bio. C'était Ok. logique et naturel à la fois. Il se voyait pas vivre dans le domaine avec sa famille dans un environnement pas sain. Voilà, parce qu'il Et ne faut serait-ce savoir aussi, je te coupe, hein, mais que moi-même, en fait, j'ai des arrière-grands-parents qui étaient viticulteurs, ils manipulaient en fait des produits qui étaient très chimiques, très nocifs, et en fait, ça a développé mais plus tard des cancers énormes, et en fait, même pour des enfants, aujourd'hui, je sais que. C'était en cours, comment expliquer ça, hein. Aujourd'hui à Saint-Émilion, dans certaines écoles, les enfants sont encore énormément touchés par ces produits chimiques. Et il y a des cas de maladie, voilà, des vomissements, des maux de tête. Et c'est parfois très inquiétant. Donc c'est vrai que c'est hyper important. Mais t'as tout à fait raison. C'est ce que son père avait, c'est ce que Bernard, donc Bernard Rebilloux, son papa, avait observé justement Ouais. dans les voisins et dans les homologues, on va dire. Il y en avait certains qui commençaient à déclencher des cancers, des maladies. Et c'est en ça où ça a été juste un facteur supplémentaire dans la prise de décision du bio. Alors c'est vrai qu'à cette époque, il y en avait très très peu, surtout dans le Bordelais. Mais du coup, ça s'est depuis démocratisé. Alors, le marché global y est pour beaucoup, hein. Il y a eu beaucoup de conversions par opportunisme. Oui, bien sûr. Nous, en l'occurrence, c'est pas notre cas. Enfin, en l'occurrence, Christophe, c'est pas son cas. C'était vraiment une vocation. Ouais, donc le côté environnemental. Bon, du coup, si on se penche Ouais. un petit peu plus sur les veines du domaine, ce qui est quand même le. Ce qui est le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, on va parler, on va circuler, tu vas rester sur le circuit CHR trad, donc ce que nous on proposait chez Les Grappes, sur le site Les Grappes. Du coup, ben, on a fait du coup on a mis en place avec du coup le domaine de Shibaou, donc une espèce de promo qui en fait on a des réductions jusqu'à moins 25%, donc c'est assez intéressant, notamment voilà pour découvrir le domaine. Donc voilà, on va vous parler un petit peu de nos coups de cœur. Et vas-y, dis-moi, explique-moi un petit peu la gamme. Donc la gamme en fait, on a 13 vins au total, Ouais. donc ce qui est plutôt large. Je vous disais qu'on avait 70 hectares, donc on a beaucoup de cépages et tous nos cépages on les met à l'honneur en monocépage, Ok. ce qui est atypique aussi à Bordeaux. C'est-à-dire qu'on va avoir notre 100% Merlot, 100% Cabernet Sauvignon, 100% Malbec, parce qu'on a beaucoup de Malbec, enfin on a 10% de notre production de rouge qui est en Malbec. Et ensuite, on va avoir nos cépages de blanc. On a du Sauvignon en majorité, un tout petit peu de Sémillon et du Colombard. Ok. Donc, tous ces vins-là sont mis en monocépage. Et ensuite, on a une cuvée d'assemblage que je vous ai montré, le Château de Grenet, qui est un peu là, on va dire, l'origine du domaine. Et là, on est sur une cuvée d'assemblage, donc très classique à Bordeaux, avec une dominance de Merlot, du Malbec et du Cabernet Sauvignon. Ok, donc du coup, monocépage, donc c'est une seule variété de raisin et assemblage, on va prendre deux différentes variétés, mixer tout ça et poum, magie, on a du vin. Ben, c'est un peu ça, Ouais. effectivement. On vinifie chaque cuve avec un cépage et lorsqu'on veut procéder aux assemblages, nous, en C'est les back-office, on œnologues va dire, qui rentrent en jeu. les œnologues, alors, principalement, ça va être nous quand même, ça va être Ouais. Christophe, la maître de chez et moi-même.
On va décider des assemblages. Donc, on goûte nos différentes cuves. Et en fonction des proportions de volume que l'on peut avoir, on va essayer de réaliser des assemblages faisables dans un premier temps et qualitatifs dans un premier temps aussi. Ok, et t'as pas Donc, des t'as pas des normes avec des appellations, des choses comme ça, qui t'imposent justement de faire venir un œnologue extérieur au domaine pour valider tout alors, ça, on non? a un œnologue conseil, oui, effectivement, qui est le laboratoire Gauthier, qui est dans l'Entre-deux-Mers, Ok. qui nous accompagne déjà, qui réalise toutes nos analyses de cuves et nos analyses de bouteilles. Et ensuite, également, il nous conseille. Mais sur le côté style, c'est vraiment nous, Ok. on a la main libre là-dessus, et le style, c'est nous qui souhaitons le positionner. Ok, d'accord. Ça marche. Et pour résumer un peu le style, que ça soit nos vins de monocépage ou vins d'assemblage, le style est un style sudiste. Alors sudiste à Bordeaux, ça va peut-être pas trop parler, mais en Bon, moi, gros, ça me on plaît en tout pousse nos cas, personnellement. matières. Ça, c'est l'accent, ça. C'est l'accent. Et du coup, ben, sudiste, pourquoi? Parce qu'on essaye de pousser nos maturités au maximum. Ok. On travaille en surmaturité. C'est-à-dire que généralement, on aime à dire comme nos voisins ont terminé, nous on commence les vendanges. Ah Et ce qui nous amène un fruit assez sur le croquant, vraiment très mûr. Et voilà, on capte cette maturité du fruit et on travaille la vinification là-dessus. Donc tout ça pour dire que ça nous amène sur des vins sur le fruit, avec beaucoup de croquant, de la fraîcheur. Et on ne fait pas d'élevage en barrique, donc c'est élevé en cuve béton. ce qu'on va chercher quand justement il fait chaud, que c'est l'été, un petit barbecue comme ça en extérieur, avoir des vins croquants sur le fruit, c'est généralement ce qu'on va le plus rechercher sur cette période. C'est notre identité. Ça reste notre identité. Alors Ok. après, ça c'est pour la partie des AOC Bordeaux, parce que le gros de la gamme est en AOC Bordeaux. Ouais. Et il faut savoir qu'un monocépage peut être en AOC Bordeaux, donc notre 100% Malbec est en AOC Bordeaux. Ouais. 100% Malbec, pour montrer justement, c'est le Malbec de Chibaou Ok. avec son cousin le gorille. Et ben, par exemple, ce Malbec Chibaou, c'est un AOC Bordeaux. Donc l'AOC Bordeaux peut être sur du monocépage ou sur de l'assemblage. C'est pas un Ok. problème. Et donc AOC, donc pour tout le monde, appellation d'origine contrôlée. Donc c'est un cahier de charge en fait que tu dois suivre pour du coup à la fin avoir ta petite appellation. Donc ça peut être Bordeaux, Bourgogne, enfin n'importe quoi, Saguenay, bref, on peut toutes les faire. Et après, tu as aussi du coup des vins de France. Du coup, j'imagine que tu voulais en venir là. Et moi, j'ai les vins de France. J'ai les vins de France. Alors là, tu as le Tout à fait. dissident. Le dissident, c'est une nouvelle création de cette année. En trois mots, on voulait faire un rouge léger. On a fait une macération carbonique. Donc ça, je vous invite à regarder ce que c'est une macération carbonique dans le vin. Généralement, c'est les vins du Beaujolais. Ouais. L'idée, c'était de sortir un vin vraiment sur le fruit, la légèreté, et du coup avoir un taux d'alcool un peu plus faible. On n'a pas réussi parce qu'on avait une belle maturité et on s'est surtout loupé d'une semaine pour les vendanges. Donc on a accentué la OK. maturité, pardon. Du coup, on s'est retrouvé avec après la vinification et la macération carbonique avec un vin qui sortait à 13,5 en degré d'alcool, donc on n'avait pas réussi notre coup. Ouais. Donc là, on a eu la géniale idée, de toute façon, on allait être en vin de France, c'était de rajouter du blanc dedans. Ok. Et on a rajouté du sémillon en pressurage direct, assemblé avec notre Cabernet Sauvignon en macération carbonique. Et ça Pressurage nous direct, amène tu peux expliquer ou pas? pressurage direct, c'est un vin blanc classique que l'on presse classiquement. Il y a un passage du fruit, on retire le fruit et on garde le jus. Donc c'est ce qui a été fait sur le sémillon. Ok. Et du coup, ben là, on est sur un rouge blanc, un vrai rouge blanc. Et contre toute attente, ça fait pas du rosé, je vous le garantis. Et du coup, ça nous amène à un vin à 12,5 en degré d'alcool. On peut le mettre un peu au frais et sincèrement, il fait le carton. Ok. Ça marche bien. Mais On en est du coup, content. je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent répondre un petit peu par commentaire. Moi, j'ai une question. Quelle autre appellation impose justement d'avoir cet assemblage-là? Vallée du Rhône Nord, premier cep. Saint-Joseph. Côte-Rôtie Côte-Rôtie. qui fait assemblage Syrah et Viognier, pardon. Ouais. Voilà, qui du coup, en fait, tu reprends un petit peu ce petit procédé-là, en fait, qui est vraiment unique dans la vallée du Rhône Nord et que toi, tu fais sous cette cuvée-là. Donc, à découvrir, franchement, parce qu'après, c'est hyper accessible hein, comme vin, et même en termes de manière gustative, parce que même si c'est un vin de France, c'est un peu nature ou bio, tu vois, comme on dit, c'est quand même des vins assez stables et équilibrés, non, en fait.
Totalement. On a vraiment une belle acidité. On a du fruit, un côté juteux, vraiment très juteux et floral à la fois. Ouais. Et c'est un vin, voilà, c'est un vin d'apéro, un vin pour des grillades qui va aller très très bien aussi sur tout ce qui est nourriture épicée, asiatique, indienne et j'en passe. Ok. Voilà, on est sur quelque chose de facile à boire. Bon, du coup, c'est les dissidents, je le redis bien. Je sais pas si j'ai une lumière. Bon, on voit pas très bien, mais c'est vraiment du pur jus, c'est hyper clair. Moi, je vais vous parler de mon petit coup de cœur que j'ai récemment présenté à une équipe de restaurateurs. Donc, c'est le blanc de Chibaou. Donc, c'est un 100% Sauvignon. Alors, pourquoi moi j'ai choisi ce vin-là? C'est parce que c'est un blanc qui est. Je trouve qu'en fait, tu vois, on a des a priori sur le Sauvignon, tu vois, t'as envie de ce pipi de chat, des choses comme ça. Et là, en fait, je trouve qu'il y a une vraie identité, et, tu vois, du vrai fruit, ce que tu disais, ta récolte en surmaturité. Donc, ça apporte vraiment beaucoup de. Un profil aromatique qui est vraiment très surprenant. Et voilà. Je sais Et pas comme du tu coup, qu'est-ce que disais, tu peux me Antoine, dire. Moi, je vais l'ouvrir et je vais me servir un verre. un Sauvignon, comme tu dis, voilà, on a le panel aromatique pipi de chat et fruits très portés sur les agrumes habituellement. C'est ce qu'on va retrouver généralement dans tous les Sauvignons sur Terre. Le travail en surmaturité, comme on fait, ça va lui amener beaucoup de rondeur et de gras. Ouais. Et sans élevage bois, encore une fois, élevage cuve. Et cette rondeur et ce gras va nous amener des fruits jaunes et des fruits exotiques, plus que des fruits agrumes. Et donc, une acidité beaucoup moindre et un équilibre rondeur fruits qui est plutôt bien. Et à un prix, je trouve hyper raisonnable. Franchement, moi, j'étais assez choqué de voir ce petit profil. Je fais profiter à tout le monde. Paf! Voilà, c'est bon. Cet été, je sais pas si toi, On l'a eu. si tu veux te servir un petit verre de ton côté. Mais moi, du coup, je vais goûter ce blanc. Ah, mais du coup, je peux faire peut-être, si ça t'intéresse. Donc, quand vous servez un petit verre, alors, des fois, tu vois, quand tu es au restaurant, tu as le serveur qui arrive, qui te sert le verre. Et toi, tu es là en mode, tu as ton verre devant les yeux, tu te mets comme ça, tu fais, bon, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Genre, est-ce que je goûte? Est-ce que je sens? Est-ce que je tourne mon verre? Est-ce que je fais ce bruit-là que sûrement personne, enfin, forcément, sait ce qu'il faut faire? Du coup, donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous servez le verre, généralement, il ne faut pas le toucher, il faut juste le regarder d'en haut. Et en fait, on a un premier nez. Donc, ce premier nez, donc, on va le sentir. Et donc là, on va essayer de se souvenir un petit peu du profil aromatique. Et après, on va venir tourner le verre. Donc tourner le verre, en fait, ça permet au vin de respirer et donc de rentrer en contact avec ben, l'air ambiant, donc c'est être oxygène, dioxyde de carbone, choses comme ça. Et donc du coup, après, on a un deuxième nez. Et donc là, en général, surtout sur des vins comme ça, on a ben, du coup le vin qui s'ouvre et du coup là, on va avoir une palette aromatique qui va être ben, beaucoup plus développée. Et après, ben, du coup le meilleur, déguster. Et donc du coup, ça c'est la rétrofaction. Donc en fait, ça va permettre en même temps bah, de faire rentrer encore une fois de l'air et de la faire passer dans toute la bouche. Parce que du coup, on a la langue qui va bah, détecter tout ce qui est acidité, amertume, fruits, sucre, des choses comme ça. Et voilà. Franchement, je suis toujours pas déçu. C'est vraiment excellent. Merci. Bien frais. Après, Merci tu vois, 100%. bien frais, franchement, c'est encore mieux parce que je trouve que c'est une belle franchise, une belle acidité, tu vois. Et tu as ce petit côté rond qui te. En fait, te dit, ben, tu vois, généralement, tu vois, les vins trop ronds, trop lourds, tu vas pas forcément y retourner. Ça va être un peu gavant. Et là, en fait, cette tension et cette acidité-là, ben, va te dire, bon, ok, vas-y, je reviens, je reviens, je reviens. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, parce que c'est pas parce qu'il y a une surmaturité que c'est sucré pour autant. Hein. Oui. On a une rondeur, mais qui n'est pas amenée par le sucre du tout. Complètement. On est voilà. Il y a ce côté, il y a cette tension qui reste quand même, et voilà, un bel équilibre entre la fraîcheur et le fruit, encore une fois. Ok. Moi, j'ai une autre cuvée là, surnaturelle, si tu veux nous en parler. Alors, surnaturel, c'est notre cuvée sans soufre ajouté, donc notre cuvée de nature. Donc c'est bio, c'est vegan. Mais en plus de ça, on ne rajoute pas de soufre. Nous, Christophe, sa vocation, c'est le soufre. Il n'en met que très, très peu. C'est un palliatif, lorsqu'on a des volatiles, donc un peu trop d'oxygène dans les cuves. Ouais. Il en rajoute à ce moment-là. Et c'est généralement juste avant la mise en bouteille. Et pour vous dire, en fait, l'ensemble de notre gamme, alors celle-ci, il n'y a pas de soufre ajouté, mais sur l'ensemble des vins, on est aux alentours des 30 mg par litre OK. de taux de soufre, et ça, c'est la norme en fait de la biodynamie. OK.
D'accord. Voilà. Et donc du coup, donc là, tu es en vin de France, encore une fois. Pourquoi Non, non? là on est en AOC, Antoine. Ah, pardon. C'est à ouais, AOC Bordeaux, bio vegan, sans soufre ajouté, donc cuvée nature. Ok. C'est pas labellisé nature parce que les vendanges ne sont pas faites à la main. Mais du coup, j'en parlais tout à Je me l'heure, mais rappelle. ce label nature, c'est tout nouveau là, ça arrive là, non? C'est que depuis cette Il est année, en peut-être? train de se chercher, en fait. Ils sont en train de créer un vrai cahier des charges. Mais il faut que, en plus de tout ça, alors il n'y a pas d'intrants, mais ça, c'est notre cas, puisque c'est dans Ouais. tous nos vins. Mais en plus de tout ça, il faut des vendanges à la main. Et nous, en toute sincérité, on a 70 hectares, donc, Ben, ça demande du on est personnel et je pense que n'importe qui regarde cette vidéo, quel que soit le secteur d'activité dans lequel il travaille, aujourd'hui il y a une pénurie de personnel partout. Donc, et je pense que les vignobles ne sont pas épargnés par ça. Donc voilà. C'est clair. Mais profitons-en pour dire à tous ceux qui nous regardent que ben, les vendanges, c'est ouvert à tout le monde, que ben, forcément, allez taper à la porte des vignobles. Moi, je connais des gens qui aujourd'hui posent des congés pour aller travailler 2, 3 semaines à la vigne. Ça, c'est hyper convivial. On partage des grands repas, on partage voilà, toutes les cuves, tout cet environnement-là autour des vignobles qui est vraiment hyper, hyper sympa. Exact, c'est vrai. Il y a une culture derrière. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc, c'est quoi, toi, un peu, tu vois, là, même chez Christophe, sa journée type, il est tout le temps au domaine? C'est ça? Ouais, il est tout le temps en domaine. Il est un peu sur tous les fronts. Il est autant à la vigne, accompagné de son père et également de salariés. Ouais. Il est pas mal au chai aussi parce que les cuves, il faut les suivre, hein, même si le gros du travail se fait après les vendanges et après c'est parcimonie, mais il y a quand même une présence et un suivi des cuves pour voir que tout se passe bien. Et ensuite, il est beaucoup au bureau parce qu'il faut savoir qu'un vigneron, c'est un viticulteur, c'est un vigneron, mais c'est un gestionnaire d'entreprise avec tout ce qui va avec, donc les ressources humaines, la comptabilité, le marketing, donc ça je l'aide aussi parce que c'est ma part hein, au niveau du commerce, mais il y a fort, enfin c'est vraiment une activité à 360 et très prenante quoi. Ouais, hyper important de. C'est des vrais chefs d'entreprise. En fait, c'est une vraie entreprise, un vignoble. C'est. Totalement, Ouais. ça touche à tous les domaines. Ok. Tous les domaines, en passant par la mécanique des outils, enfin on n'imagine pas, mais c'est une entreprise globale. Voilà. Ok. Et toi, du coup, la cuvée que tu veux nous présenter, parce que du coup, donc, je sais pas si on peut le rappeler, mais du coup, Château Grenet, c'est le tout premier. Toute première parcelle, toute première vigne de la famille, donc C'est première génération. les premières vignes, et puis c'est la cuvée d'assemblage. C'est là où on a nos trois cépages de rouge qui sont assemblés, donc le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Malbec. Ok, qui du coup est aussi remisée et ben, en promo, comme le disait tout à l'heure, sur les grappes pendant un petit moment jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, c'est les Et je backstage voulais de revenir leur sur le business. surnaturel, Antoine, Comment? pour conclure sur le surnaturel. Ah oui. Donc c'est une cuvée nature, sans soufre, et il faut savoir que c'est un vin qui n'a pas de déviance. Ah, C'est vrai que c'est quoi déviance? des déviances dans le vin, ça peut être des défauts en fait. Il Ouais. y a des défauts qui sont par certaines personnes qualifiés de positifs et par d'autres de négatifs. Ok. Il faut savoir que dans les vins nature, il y a beaucoup de choses qui se font. Et il y a beaucoup de vins qui peuvent avoir des déviances, donc ça peut avoir des odeurs d'écurie, des odeurs de cuir, mais très très prononcées. Ou des herbes Et vulgaires, voilà. comme certaines disent, mais qu'on ne dira pas Mais forcément. certaines personnes aiment ça. Mais Ouais. globalement, quand un vin a une déviance, c'est pas positif. Ok. Il faut se le dire. Ouais. Nous, c'est pas pour en faire la promotion, mais celui-ci n'a pas de déviance du tout et c'est un vin qui est très très structuré. Il a un fruit qui est pas confit, mais un fruit cuit très opulent. Ok. Et si vous voulez, il a une matière et des tanins qui sont très rehaussés. Les tanins, c'est ce qu'on va retrouver sur les gencives après la dégustation. Du coup, ça lui confère un vin qui va pouvoir tenir dans le temps, à savoir le lendemain, il est encore meilleur. Si on a capacité de l'aérer un peu, c'est encore mieux. Et vous verrez, à servir au verre dans des établissements, restaurants, Ouais, bars, c'est parfait parce que. parce que c'est vrai que nous, la dernière fois, on a discuté avec Mimosa. C'est vrai que ben, aujourd'hui, servir du vin nature
dans un établissement ou chez soi, il faut aussi parler de conservation. Et forcément, vu qu'il n'y a pas de sulfite, donc pas de stabilisateur, ben, du coup, forcément, ça peut repartir en fermentation, des choses comme ça. Donc, du coup, il faut déjà bien le conserver et y faire assez attention. Mais bon, quand on sait, en fait, et c'est ce que je disais, hein, c'est quand on connaît le domaine, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on échange tous les deux. C'est bien du coup de savoir comment vous travaillez, parce que du coup on se dit, ben, même si c'est des vins qui sont sans soufre ajouté, du nature, mais c'est quand même droit, équilibré, bien structuré, comme tu viens de le dire. Moi je m'étais posé une petite question pour la communauté aussi des grappes. Pourquoi avoir rejoint les grappes, la communauté, ben, voilà, en tant que vigneron, Ben, les grappes, effectivement, c'est un très bel acteur de la représentativité en ligne et de la commercialisation en ligne. Il faut savoir qui que de de base, nos jours, évidemment. tout le monde était assez réfractaire, non? Comment Christophe, lui, a vécu ce passage au numérique? Non, du tout, puisqu'il est plutôt moderne pour le coup, Ok. Ben oui, quand on parce voit qu'on les voit, oui, bouteilles, bien quand on voit sûr, les styles, les puces de base il chez faut Christophe. savoir. Et puis il faut savoir qu'en plus dans toutes ces casquettes-là, c'est les trois quarts des étiquettes, c'est lui qui les réalise. C'est D'accord. un adorateur d'Illustrator. Ah ouais. Et l'hiver, il a passé tout cet hiver. Ben, suite à notre rencontre aussi avec les grappes sur Wine Paris, il y a eu un gros travail sur des nouvelles étiquettes pour la GMS notamment. Ok. Et du coup, c'est Christophe qui réalise une grosse partie. Le Dissident, c'est sa création. Ah oui, Voilà, d'accord. Grenet, c'est sa création. Multi-casquette jusqu'au bout, quoi. Vraiment, Ouais. c'est Donc il a lui, une modernité, une notion un peu marketing, et du coup la vente en ligne, il n'est pas du tout réfractaire, bien au contraire. Mais là c'est pour le coup c'est ma part, la commercialisation, donc j'ai pas mal à faire. bien Et sûr. effectivement c'était un de mes objectifs sur la première année que j'ai pratiquement rempli au bout d'un an. Et la rencontre avec les grappes, eh bien, elle a été faite par un ami connaissance qui travaille pour le château Lauduc à Bordeaux, Ouais. un château plutôt qualitatif pour le coup et assez moderne également. Et du coup, ben, c'est Pierre du château Lauduc qui m'a mis en relation avec Nicolas, donc votre collaborateur au niveau des grappes Qui s'occupe de et qui l'achat des s'occupe de grappes. la sélection. Ouais. Qui a construit l'achat des Exactement. grappes que tous les vignerons ici présents connaissent. Donc, ouais. Et du coup, ben, cette rencontre s'est fait sur Wine Paris, donc en février dernier. Et suite à ça, ben, on a mis en place la mise en avant de nos vins sur le site Les Grappes et la commercialisation sur tous les marchés, allant du particulier jusqu'au professionnel, évidemment. Bon, super. Et du coup, c'est quoi les projets futurs un peu au domaine? Alors, il y en a pas mal. C'est vrai? Ok. Il y en a pas mal, ouais. Cette année, il y a eu déjà des nouveautés qui ont été lancées, donc on en a parlé. Il y a un rosé de Malbec qui est tout nouveau, qu'on ne faisait pas auparavant. Donc le Ah oui. Malbec avec tous ces différents noms qu'on peut trouver en France. Le Malbec a, en fonction des régions, a plusieurs noms. Le Il y a eu Côte, des c'est ça? pétillants C'est naturels. le Côte de la Loire, je crois. Ouais, exactement. Ok. Et le Caux aussi, ça se prononce. Il y a le Noir de Pardon. Prayssac, l'Auxerrois, le Mansin. Non, non, mais il y a le Côte aussi. Ça dépend des régions Ah, ok. et des accents. Et du coup, je rigole. Parce que Et nous, on du prononce coup, toutes les lettres dans le sud, donc du coup, forcément, je dis côte. Donc, voilà. non, mais on est sudiste à Bordeaux. On n'est pas très loin non Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est plus. Donc, des nouveautés, il y a eu le rosé de Malbec, il y a eu des pétillants Quel naturels nom en blanc, en exceptionnel, rosé. justement, des petits pétillants Merci. naturels. Donc là, c'est 100% colombard, c'est ça? Exactement. On a un peu de colombard sur le domaine et du coup, on a fait des vendanges précoces et on a sorti nos pétillants naturels à 8,5 en degré d'alcool. Ah oui, Donc très voilà, quelque bas. chose de très Et du coup, classique. c'est Ouais. quoi un pétillant naturel pour ceux qui ne connaissent pas? Pétillant naturel, c'est assez facile à comprendre. Bon, il n'y a pas d'intrant non plus, il n'y a pas d'ajout de soufre. Il y a une première fermentation qui est réalisée en cuve et la seconde fermentation est réalisée en bouteille, En bouteille, tout logique, simplement. comme bleu vert sur n'importe Voilà. quel pétillant. Sauf que là, du coup, ça apporte la Exactement. fermentation de manière naturelle, c'est ça? Exactement. Ok. Et c'est les températures, c'est en fonction des températures que les fermentations peuvent repartir ou non. Ok. Voilà. Donc ça, c'était les nouveautés. Projet également, on se lance dans la production de bière. Ah,
On a acquis très récemment et on est en train de, enfin, c'est finalisé. On vient d'acquérir une brasserie sur le bassin d'Arcachon, la BDO, la bière de l'Ouest et la Parqueuse. Wow. Cette voilà, cet objectif, Christophe l'avait depuis 3 ans. C'était pour de diversifier sa production. Quand on a des aléas climatiques comme le millésime 2021 qui nous a fait perdre beaucoup de volume dans le raisin. Ouais. Du coup, il avait cet objectif déjà de faire de la bière. Et là, on a rencontré, donc c'est une bière bio qui est produite à Gujan-Mestras, à côté de Arcachon. OK. Et voilà, et du coup, ben, on vient d'acquérir cette brasserie, donc le matériel, la gamme, la marque et les recettes, évidemment. Et on va pousser le bouchon, c'est qu'on se revendique du coup vigneron brasseur maintenant. OK. Et on a déjà produit des bières avec Christophe pour le coup. Et l'objectif, c'est également de sortir une gamme de bières en lien avec le vin. Des Donc bières. Des voilà, bières. des bières, Voilà. oui. Et Exactement. j'invite tout le monde à aller goûter les bières. Alors à Paris, ça se retrouve chez pas mal de cavistes, mais je ne sais pas hors Paris où est-ce qu'on pourrait trouver ça, parce que c'est quand même assez niche. En gros, ça n'existe pas énormément. Exactement. Moi, en tout cas, Après, il y a il me tarde de divers voir les procédés. étiquettes. Il me tarde de voir les étiquettes. Parce que franchement, quand Alors, il y a déjà toute une gamme qui existe hein, sous l'entité BDO, Bière de l'Ouest, Ouais. et la Parqueuse. La Parqueuse, c'est en référence aux femmes des ostréiculteurs qui s'occupent des parcs à huîtres. D'accord. Et d'ailleurs, on fait un package 5 bières dans une bourriche à huîtres en présentation et en packaging, en plus de Zemba. ça. Zemba, Zemba. Et voilà. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a encore à venir? Ben, c'est déjà pas mal C'est en fait, déjà, ouais, hein. Ça va nous franchement, c'est déjà pas mal. ouais, pas mal d'activités, ouais. C'est déjà pas mal. Exactement. Bon, du coup, ben, moi, écoute, moi, il me tarde en tout cas de pourquoi pas passer au domaine, rencontrer ce fameux Christophe qui a l'air vraiment très, très fort sympathique avec ses idées. Eh ben, tu es le bienvenu, C'est cool, évidemment. c'est cool, c'est cool. Ben, écoute, en tout cas, moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je sais pas si tu avais d'autres points à aborder. Il y a juste une question des bières finies en fût du coup, exactement. Il y en a Ouais. déjà une existante, une stout, qui est finie en fût de cognac. Mais il faut savoir que nous, comme je vous l'ai répété depuis le début, on ne travaille pas nos vins en fût. Donc, on va devoir acquérir des fûts pour faire des nouvelles cuvées. Mais il y Ok. a également d'autres process en trempant des copeaux dans des cuves de vin que l'on peut récupérer pour faire les brassins de bière. Et ça va nous permettre d'établir en fait voilà toute une gamme de bières en lien avec les cépages du vin et aromatiques du coup grâce aux cépages. Mais oui, sinon il y a des finitions en fût, hein, des finishes, cask finish du coup. Et là, on en a déjà une qui est en fût de cognac. Ok, mais écoute. Ravi et il me tarde de voir tout ça. Ok, bah super. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, Pierre Clément, de nous avoir accordé ton temps avec des petits bugs de Merci à connexion au toi, Antoine. début. Mais bon, c'est les aléas du direct. Désolé. Exactement. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Tout ça pour dire que, bah, encore une fois, je me répète, hein, mais du coup, tous les vins du domaine de Shibaou seront donc présents en promotion sur les grappes. Donc, des promos jusqu'à moins 25% jusqu'à dimanche. Alors, moi, mon but, ce n'est pas de vous pousser à acheter. Moi, mon but, c'est de vous pousser à découvrir, en fait, des vins dans le Bordelais. Donc, tout ce que vous avez, tout ce qu'a raconté Pierre Clément, pour justement, voilà, découvrir de la nouveauté, des surnaturels, voilà, des vins sans suffit ajouter, des étiquettes assez sympas. Et allez bluffer vos familles, vos grands-parents, au repas de famille, posez ça et dites-leur que c'est un Bordeaux dans des bourguignonnes. Je pense qu'ils vont se dire que le monde a bien changé. Exactement, exactement. C'est le but, c'est le Voilà. but. Donc tout ça, du coup, ce sera on mettra ça en lien dans la description des grappes. Donc voilà, vous pouvez aussi liker, suivre les grappes, suivre aussi le domaine du Shibaou, qui du coup a beaucoup de vins et de beaux projets. Donc tout ce qui est bière, tout ça. Allez-y, allez les suivre. Je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Donc voilà. Merci beaucoup, Pierre Clément. Merci à toi, merci à Il y vous. a une petite question, comment vos voisins voient ce renouveau?
ça passe ou ça Alors crache. maintenant, ils l'ont accepté, évidemment, mais quand Christophe a lancé la conversion, il était vraiment, comment dire, identifié comme un ovni, Ok. qui embêtait un peu le sens commun, quoi. Ok. Mais bon, il a continué, il a fait partie aussi des jeunes agriculteurs, donc il s'est un peu politisé un petit peu dans le coin, et puis il a défendu sa volonté. Il a défendu le bio, sa volonté d'avoir de faire une agriculture bio et en respectueuse de son environnement. Et ça a payé finalement, Et puisque aujourd'hui, ça passe? maintenant, ouais, aujourd'hui ça passe. Ok. On est pratiquement que entouré de bio maintenant. Ah, Presque. bah en même À temps, mais 80%. en fait, du coup, tu t'anticipes ma question parce que du coup, c'est pourquoi, si toi, tu es bio et que tes voisins sont pas bio, est-ce que tu peux être bio ou pas? C'est ça la question. Parce que Oui, tu peux. Ouais, mais. techniquement, oui. Tout notre travail se concentre là-dessus. Oui, on est labellisé, mais je t'accorde que lorsque tu as un voisin très proche de tes parcelles qui lui traite ses vignes, Mais comment empêcher à ce que les produits arrivent sur ton feuillage? Mais nous, on a beaucoup de chance parce que d'un point de vue géographique, l'ensemble de nos vignes, ou presque, sont encerclées de forêts, de bosquets, de haies. Et Ok. voilà. Et Mais ça après, te on est protège, séparés par des ça te routes. protège. Naturellement, on a un positionnement géographique. Et les vignes qu'a acquis Christophe supplémentaire, il a fait en sorte que ces vignes soient pas au milieu d'autres vignobles. Voilà, c'était aussi une volonté que naturellement, on ait une barrière naturelle pour se protéger et garder notre travail environnemental. Ok, bon, c'est beau, franchement c'est beau. Ok, ben, écoute, merci beaucoup. Moi je vais aller voir mes collègues qui m'attendent pour faire l'apéro. Parce que c'est Bon jeudi, apéro. c'est quand même l'apéro. Je sais pas, tu vas faire l'apéro toi ou pas aussi du coup? Ah oui, il y a de Super, fortes chances. Oui, super. oui, Voilà, oui. moi je réinsiste sur mon petit blanc coup de cœur, du coup le blanc de Chibaou. Donc voilà, ben, écoute, Enjoy. bonne fin de journée. Et puis je te remercie encore une Merci fois et beaucoup. à très bientôt. Salut Au Antoine, à plaisir. bientôt. Merci Salut. tout le monde. Ciao, Au ciao. Au revoir. revoir. Merci les grappes. Avec plaisir. Alors maintenant, je vais devoir quitter tout ça. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. J'espère qu'on pourra se retrouver sur le prochain live avec d'autres vignerons. À bientôt. Salut.